Et salut à tous et à toutes, bande de troutouilles. Aujourd'hui, nous retrouvons sur tout simplement Tilbrush de Google. Donc, c'est ceci. Voilà le nom du jeu. Vous voyez bien, c'est ce jeu-là. Je l'ai acheté aujourd'hui. Il coûte 20 euros. Et du coup, mais je voulais vous montrer et tester avec vous ce que ça donne parce que ça a l'air vraiment trop bien. Le seul truc que j'ai galéré à faire, c'est en fait au moment de la connexion, en fait. Du coup, ici, je sais plus comment on fait. Ah, ici, regardez. En fait, j'ai un peu galéré avec ça, moi. Parce qu'en fait, quand on fait sign up et que ça ouvre, c'est censé ouvrir un navigateur, ça ne le fait pas réellement. Ça le fait, mais ça le fait pas. C'est compliqué, c'est bizarre. Mais du coup, voilà. Moi, je suis en mode professionnel tout mou. Et du coup, voilà. Et du coup, vous pouvez avoir plusieurs mondes. Regardez. C'est trop bien. Complètement changer le monde à votre guise. Donc, voilà. Par exemple, si je. Après, c'est pas parfait non plus. Comme vous voyez, ça fonctionne assez bien. Fog, c'est ça. Hein. Donc, on va peut-être un peu en mettre qu'un. Hein, parce que ça, c'est un côté. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, ok. Donc ça, on peut mettre un peu comme ça. Hop. Moi, j'aime bien comme ça. Ouais, j'aime bien. Deux. Merde, je voulais pas. Alors, si je veux reculer, j'appuie là. Oh, j'ai appuyé sur ce bouton-là. Vous voyez, ça marque retour. Bon, ça, c'est le quest. Mais moi, voilà, j'ai appuyé sur ça. Du coup, ça, c'est le ciel. Donc, je peux vraiment aller très loin. Donc, je cherche un truc assez intéressant. On va dire que c'est bon, ouais, comme ça c'est bon, c'est pas mal, ça fait plus ou moins ces ciels. Donc, je peux refermer. Donc là, c'est quoi ça? Ça c'est le soleil. Oui, ça c'est le soleil. Ça c'est pas très grave en soi. Peux un peu le remonter pour qu'on voie mieux. Et je peux peut-être éventuellement changer la couleur. Pour que ça aille mieux un peu avec le monde. Voilà. Voilà, vous voyez un peu comment on fait. Là, c'est pour effacer. Là, c'est téléportation. Donc, si je veux me téléporter, voyez, je peux aller très, 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 très loin. Vous voyez, je suis hyper loin là. Vous voyez où c'était? Vous voyez? Donc, ça va quand même assez loin. Parce que je vois des traces de trucs, je sais pas d'où ça vient, mais suis un peu trop loin, attendez. On va essayer d'aspirer. Ouais. C'est rigolo, hein. Veuillez m'excuser, hein, si pour le moment je fais d'abord le nettoyage tout mou. Ce que je peux faire aussi, je pense, c'est faire clear. Ah! Ça a remis tout à l'envers. Bon, ben, c'est pas grave, hein. On apprend de ses erreurs. C'est pas très grave en soi, ça. Je peux remodifier ce qu'il faut. Le truc. Ouais, voilà. Essayez d'aider bien. La couleur, par contre, elle est pas bonne. Voilà. Ouais, c'est bien comme ça. Bon, théoriquement, c'est pas censé être l'inverse. Oui. On va changer ça. Oui, voilà. C'est mieux. C'est plus logique. Enfin, je crois. Ouais, donc c'est comme ça, hein, le ciel. Ou je sais pas. Ou est très nul en ciel. Oui, excusez. Ah, si on peut laisser un. Hop. On peut remonter. Ouais. Bon, après, on peut pas non plus faire au pixel près, mais. Fog, on peut laisser comme c'est. Mais c'est bon. Ah oui, ça. En effet. Mieux quand c'est un peu plus. Plus ce côté-là. Côté atmosphérique. Voilà. Parfait.
Soit tu fais pas le con, espèce d'imbécile. Oui, je sais, je suis un imbécile. Pourquoi tu t'es mis là? Attends. Ok, tu te mets là ou selon le degré de choix. Ok. Voilà, je tourmente et je vais plus dans le côté bleu truc. Oui, c'est parfait comme ça, c'est très bien. Alors ça c'est l'environnement, ça il faut pas toucher parce que. Par contre c'est quoi ça? Grassform. Ah, ça va trop vite. Ping limonade. What? Ah ok. Normalement si je fais ça, regardez, on revient en arrière. Donc je peux éventuellement vous montrer du coup ce qu'il y a. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être sauvegarder ce monde. Donc on fait save. Je pense que je me suis trompé. Je recommence. Save. Ah ok. Add sketch. Ok, d'accord. Et du coup, il est ici. Et il est ici. Si je récupérais le monde, il n'y a pas de problème. De toute façon, ici, je peux vous montrer. Hein, je peux du coup retourner dans environnement et re-aller là. Par exemple, aller là, je sais pas moi. Regardez là, on a un truc de styliste. Et je peux décider tout simplement d'aller là. De l'appuyer là et de le charger. Et tout d'un coup, regardez, je retourne dans mon monde en question où j'aurais fait un dessin si j'en aurais fait un. Mais voilà, c'est à peu près ça. J'appuie sur ce bouton-là. Là, vous voyez, j'ai deux boutons. J'ai un bouton retour et tout. Donc il y a vraiment tout. Hein. Là, vous avez vraiment. Vous avez trop de choses. Ouais, donc vraiment, un truc assez. Coucou, toi. Hein, c'est coloré. Regardez, c'est un magnifique, joli Wushuapo. Quel magnifique Wushuapo que vous avez là. Voilà, c'est un joli Wushuapo, donc je peux mettre en fave, tout ça, et c'est magnifique, hein, Error Connecting, on est tous heureux de cette magnifique bug en mousse. Pardon, excusez-moi, j'ai mon nez qui me casse les couilles. Magnifique bug. Donc regardez les délires de ouf, quoi. Voilà. Oh. Donc on va aller dans un autre monde. Non, j'ai dit on va aller dans un autre monde pour montrer. Oh. Bon, je galère un peu, veuillez m'excuser. Et voilà. On me casse les couilles aussi. On va vérifier les mondes. Donc voilà, ici on a un bonhomme de neige. Donc si je vais lui faire des nœuds, bon, peut-être pas avec ça, mais attendez. On va essayer de trouver un truc adapté. Tiens, pour LOL. 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 Je suis très très rigolo comme personnage. Je suis très très rigolo. Vous pouvez même faire des bulles. Regardez, c'est beau. Et les bulles restent en place. C'est tellement jouissif ce truc. Des carrés bizarres. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses, quoi. C'est vraiment très complet ce logiciel. Après, pour les gens qui savent pas dessiner, je vois pas trop l'intérêt. Ils vont s'ennuyer rapidement. Mais si tu sais dessiner, c'est très très intéressant. Tout ça, c'est très très intéressant. Bon après les gens font ce qu'ils veulent avec l'argent, on est d'accord. Ok. Du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux faire ça. Hop. Et du coup, je peux lui faire des petits nœuds. Voilà, de chaque côté. Voilà. Si je peux lui faire sa carotte. Voilà. Hop. Je colorie, je transforme carotte, carotte. Et voilà. Ou alors attends, on va faire mieux, parce que c'est nul. Nous, c'est un animal intro, donc hop. Né. Donc hop, on va lui faire ses oreilles. Hop là. Par là et par là. Voilà, c'est mieux. Sa petite mèche qui ressort. Hein? Ses petits bras tout mous. Et il veut faire un câlin. Un câlin. Voilà. C'est très très rigolo ce que je fais là. Abonnez-vous. C'est très très rigolo. Alors, du coup, ce que je peux faire aussi, c'est tester d'autres trucs. Hein. On va tester d'autres trucs assez psychédéliques. Par exemple, je sais pas. C'est un magnifique goût coquin étoya.
très très tchoum-tchoum impressionniste. Voilà, du coup, il est très très tchoum-tchoum impressionniste. Nous allons le tchoum-tchoumiser en mode impressionniste tout mou. Voilà, il est très très impressionnant par le Lamousse. Et du coup, derrière, il y a le feu, au secours. Non, je suis con. Ah oui, d'accord, oui, ça c'est pas con ça. Genre comme si il était en train de disparaître, tu sais, comme dans Pokémon Donjon Mystère. Oh non, il est en train de disparaître, non! Voilà. Je vous avais dit qu'il était très très rigolo. Et du coup, il neige un peu partout. Voilà. Et du coup, c'est le bordel. Et du coup, vous pouvez revenir en arrière si c'est trop. Et voilà. Comment on revient en arrière? Ça c'est logique, c'est logique qui neige ta gueule le truc. Donc ouais, c'est bien. Donc voilà, ça c'est très très rigolo, c'est très très rigolo. On s'en bat les couilles. Alors, qu'est-ce que je voulais faire encore? Allez dans un autre environnement. On va visiter les autres environnements. Bon, cet environnement est assez psychédélique, je trouve. C'est marrant, hein. Pourquoi pas? Ça a rien changé. Se foutre de ma gueule. Ah, celui-là il me plaît. Je me suis gouré de boutons, mais il me plaît celui-là. Il me plaît beaucoup cet environnement-là. Il est intéressant. Il est tout blanc, donc je peux dessiner vraiment, faire du dessin de base. Voilà, crayon noir. Pourquoi le noir est en cette couleur? Ah voilà. Du coup, je peux faire de la merde. Par exemple, hop. C'est agréable le bruit. Enfin, on s'en fout en fait. Hein. Voilà. Et bien sûr, ça, si je vais me dire, voilà, j'aime bien ce dessin. Non, mais non. J'aime bien ce dessin, je veux le sauvegarder. Je fais une photo du dessin. Comme ceci. Et elle est sauvegardée. Et si je fais ici, par exemple, clear, pas d'inquiétude. Je suis allé là, voilà, j'ai mes mondes. Je fais slash. Non, 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 pas ça. Slash, et hop, j'appuie dessus, et ça le refait apparaître. Pas de problème, il est de retour là, mon dessin. Il est de toute beauté. Donc tout fonctionne nickel, pas de souci. Et vous êtes tout mou. Voilà, c'est très très important de préciser ça, que vous êtes fait de mousse. C'est incroyable. Alors, du coup, pour information, moi je suis en mode pro. Parce qu'il y a deux versions de donc pro, c'est de ce truc-là. Voilà, ça c'est le mode pour les gens qui sont pauvres, qui. Non, je déconne. C'est pour les gens qui s'y connaissent pas. Moi j'ai mis le mode avancé. C'est pour les professionnels en mousse comme moi. Parce que je suis de la mousse vivante. Alors, du coup, ici, ce qu'on. Ah, télé. Ok. Non, c'est surtout que je sais que j'aime bien avoir beaucoup de trucs. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir beaucoup de choses. C'est quoi ça? Ok.
Ah, coucou toi. Oh. D'accord. C'est quoi ça? Ouh, pour faire une maison, ça c'est pas mal ça. Ça c'est le mode miroir. Oh, oh, le mode miroir. Oh oui, c'est trop bien. On va faire des trucs marrants. Du coup, si je désactive, ça reste. Ah, ok, pas mal, hein? Je peux aussi remplir des choses. Bon, là, ça marchera pas parce que, vous voyez, ça marche pas, il te le dit. C'est pas faisable. Par contre, un truc complet, je pense que ça fonctionne. Ah, ok, j'ai compris. C'est pas vraiment. C'est juste sélectionner les trucs pour les remodifier. Ah, intéressant. C'est pas vraiment un remplissage qu'on pourrait penser, en fait. Ça, c'est la pipette. Ça, c'est l'aspirateur du néant. Ouh, je suis un démon. Ouh, meurs, 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 meurs. Je déconne. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il est de retour là. Regardez, il se redessine tout seul. C'est incroyable. Ce n'est pas du tout moi qui est occupé à tricher. Voilà, je fais le con. C'est pas grave. Bon, voilà, en fin de compte, vous avez compris qu'il y a beaucoup de choses. C'est énorme. On va aller dans une map, autre, qui est un peu plus. Celle de base, peut-être. Ah, il est toujours là, mon dessin. Rigolo. Ouais, je gêne pas, hein. Juste peut-être augmenter le soleil, peut-être, parce qu'il fait noir. Voilà. C'est mieux, hein. Non, mais c'est bon, ça ira. Merci. Non, mais non. Je t'ai dit, toi, de dégager, connard. Pardon. Alors, du coup, maintenant, je vais. On va tester tous les trucs. C'est vraiment un test complet, quoi. Ah. Pourquoi ça fait ça? Ça, c'est bizarre. J'ai laissé un truc à. Oui. Ah, d'accord, ça peut. Ça peut rester. Ok. Ouais, j'ai mon nez qui me casse ses couilles parce que voilà, il a envie de m'énerver. Ouais. Ah, celui-là, il fonctionne pas. Ah, si. Ah, celui-là, il est défectueux. Ouais, pour ça, c'est pas gratis, c'est pas con, ça, pour. Une chose comme ça, par exemple, ou faire des effets d'ombrage comme ça, je sais pas. Genre pour l'ossature de l'ombrage ou un truc comme ça. Enfin, y a d'idées, y a d'idées. C'est quoi ça? Alors, c'est censé être de la lumière, ça. Ah ouais. En effet, c'est bien de la lumière. Du coup, on pourrait faire une couille comme ça, par exemple. Ouais. Non! Bon, comme d'habitude, il y avait moitié qui gratte, mais. Du coup, ici, on pourrait faire un truc de bouillance. Du coup, ça dump mon personnage. Et je peux lui rajouter des scouts de mèche comme ça. C'est rigolo. Alors, on a le feu. Ah, par contre, peut-être que la couleur blanche, ça n'aide pas forcément. Regardez comme c'est beau. Trop bien. Trop cool. De la fumée. Du brouillard. Trop bien.
Tu en as déjà vu un, hein. C'est neige, quoi. Arc-en-ciel. Voilà. Ah oui, je peux grossir et agrandir le truc. Voilà. Attendez, on va l'agrandir encore plus haut. Regardez. On va essayer d'agrandir le plus gros possible qu'on peut faire. Voilà. Là, on est au plus gros qu'on peut faire. Voilà. Regardez comme c'est beau. Waouh. C'est des arcs-en-ciel, quoi. Donc on pourrait peut-être reprendre ça pour voir. Ah oui, là, on voit clairement que c'est des flammes. Ça. Ça, c'est le dieu des soleils. Ouais. C'est quoi? C'est de la fumée. Ça change rien. Hein. J'ai pas l'impression que ça change vraiment la taille. C'est des étoiles, ça. C'est quoi? C'est juste un truc de dessin. Ça, c'est quoi? Oh! Ok. Tâche. Ok. Ça, c'est quoi? Ok. C'est quoi? Ok. Oula. D'accord. Ok. On peut les agrandir en fait. Ah ben voilà, c'est ce qu'il faut faire en fait à chaque fois. En fait, il faut faire attention quand vous récupérez les trucs. Hop. Ça, il faut le re-agrandir. Et là seulement, ça fonctionnera comme ça doit fonctionner. Regardez, du coup, hop. Voilà. Ça fait l'effet météorique, truc qui, puits d'étoiles, pardon, qui descend. Donc, c'est pas mal. C'est quoi ça? What the fuck? Je sais pas ce que c'est censé représenter, mais bon. Par contre, des bubus, ça, j'aime bien. Bubules. Blop, 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 blop. Voilà. Ah, trop bien. Attends, on va essayer d'agrandir ça. Ah, les plus petits, ça fait quoi? Oh! À l'aise. Ça fait très câble, en fait. Genre. Voilà. Magnifique. Ça sert à rien ce que je fais là, mais c'est rigolo. Alors, hop. Ok. C'est quoi ça? Lol. Oh, trop bien. Des neurones. Des cerveaux. Ah, c'est des neurones. Voilà. C'est très très rigolo quand je fais ça. C'est très, très... Petit point, ouais. Fleur. Alors ça, je pense qu'il faut l'agrandir. Voilà, regardez. Oui, il faut le savoir. Hein. Vous voulez faire une fleur? Pop. Petit, je sais pas ce que ça fait. Ouais, voilà, vous voyez, petit, ça marche pas trop en fait. Enfin, il faut, si, quand il faut aller. Mais il faut savoir que si vous voulez faire une grande fleur ou une moyenne fleur, il faut mettre au centre, puis pouf, voilà. Et c'est comme ça que vous allez faire votre végétation. Hein? Voilà, regardez, j'ai des fleurs un peu partout. Donc, on peut faire peut-être une tentative. Est-ce que ça peut servir de. Oula, c'est quoi ce caca? C'est quoi cet étron? Alors. Et encore désolé pour mes reniflements de mon nez parce que ça me casse les pieds. C'est pas voulu. Oh, c'est très joli. Après, on va faire un test de truc. Oh, c'est très beau. Ah, c'est paranormal. D'accord. Je présume que toi, on doit te mettre à fond encore une fois. Vous voyez, il faut le mettre à fond pour que ça fonctionne d'un coup directement. Vous voyez? Sinon, ben, ça marche pas tellement bien que ça. Ça dépend les pinces, en fait. Oula.
Il y a certains qu'il faut peut-être qu'ils restent petits, voilà, comme celui-là. Ça... Oh, quoi que ça change. Hein. C'est un diamant, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un diamant d'innocence. C'est à vous de le sculpter, quoi. Voilà, comme ça. Et du coup, ça fait une sorte de diamant, quoi. Ok. Et ça, c'est quoi? C'est encore un diamant. C'est encore un diamant. Ah, ben voilà, c'est... Mais pourquoi ils ont pas mis celui-là? C'est lui? Voilà, je suis fortuné. Ben voilà, c'est parfait. Vous êtes fortuné, monsieur le chien. Comment ça, vous êtes pas fortuné? Ah oui, l'idée marrant qui peut être sympa à faire, c'est de... Ouais, je sais pas quoi prendre. Ça peut peut-être faire le taf. Ouais, peut-être. Pour ça, il faut changer la couleur. Vert sombre. Non, ça c'est trop vert. C'est vert dégueulasse. Non, c'est plus rien. Bon, apparemment on peut pas faire grand chose. Bon, l'idée c'est de faire. Bon, c'est pas le bon truc, hein, je présume, mais voilà. Vous voyez un peu l'idée, ça permet de faire des feuilles, des fleurs, des trucs comme ça, quoi. Alors, qu'est-ce que ça fait? Lol. Attends. Ah oui, faut remonter. Hop là. Du coup, je peux faire une fleur ici. On va en faire une autre ici. 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 Et du coup, repétisser et en faire des petites aussi. Et ça fait une sorte de truc de fleurs. Et je peux éventuellement changer des couleurs, hein, c'est pas un problème. Hop. Hop là, si je veux faire une fleur qui était un peu plus haute, qui est en fait la plus intéressante, voilà, et en faire quelques qui sont là, c'est faisable, hein, voilà, c'est un bouquet tout mou. Voilà, ça fonctionne. Et après, bah, il suffit de trouver bon truc pour faire la bonne couleur aussi, ce serait pas mal. Non, ça pourrait être ça. Ça a l'air propre. Trop gros. Toujours trop gros. Ah, ça c'est pas mal. Bon, je le fais en mode noir, mais vous pouvez faire en autre couleur. Après, on va un peu tricher, on va pas vraiment faire au pixel près, mais voilà. En bref, vous reliez vers le bas tous les trucs pour que ça fasse pas un truc bizarre. Bon, après, c'est du vite fait, hein. Voilà, hop, c'est pour que ça fasse un effet vide de bouquet de fleurs. Hop, hop. Et voilà, ça fait un bouquet de fleurs bizarre. Mais il y a moyen de changer les couleurs. Par exemple, si je veux changer la couleur ici, et la mettre en vert, ça va moins aller. Regardez, je peux changer. Et je fais ça. Et tout ce que je touche change de couleur. Vu? Voilà, mais je pense que j'ai déjà fait assez de démonstrations sur cette version-ci du jeu. Du coup, je vous dis à bientôt et portez-vous bien, bande de trucs. Donc, en tout cas, on peut faire pas mal de choses avec ce jeu. C'est très très rigolo. Donc, je ne sais pas où tu te. Non, mais non, pas ça. Je sais pas où tu vas, mais bon. Coucou. Voilà. Ah, c'est bon, je peux le bouger. Donc, je peux le mettre par exemple ici. Un peu plus près, s'il vous plaît. Faire par exemple un truc comme ça. Par exemple, ici, si je veux faire les yeux. Ça ne fonctionne point. Ah! Bah oui.
pas compris le principe, ce con. Non, mais je vais. C'est bon là? Oui. Bon, je vais essayer de n'en supprimer l'autre, putain. Et si toi? C'est bon. Non! C'est con lui. Alors, du coup, je peux faire tout simplement. Vous voyez, j'ai bien l'aide. Donc, par exemple, si je veux faire. On termine par ça. Ça peut pas mal aider pour les yeux. Par exemple, si je veux faire des yeux d'une telle manière, vous voyez, hop. On sait bien. Du coup, il faut les faire droit, hein, pour pas que ça fasse genre il louche. Hop. Voilà. Et du coup, je peux vraiment recalibrer correctement le truc et refaire les choses correctement. Voilà. Je peux vraiment y aller tranquillement. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Ça permet d'avoir un truc assez fluide. Hop. Hop là. Hop là. Bon, c'est très isométrique, mais bon. Voilà. Si je fais une coupe là, je peux. Hein. Et du coup, là, par exemple, je peux lui faire ses oreilles. De là à là. Je peux me concentrer juste sur une zone, l'autre se faire automatiquement. Le crâne, il faut pas l'oublier, hein, voilà. Et du coup, vous voyez, ça se dessine tout seul, ça se fait tout seul. C'est très fonctionnel, c'est très ou fonctionnel, et voilà. Et du coup, c'est de la triche parce que c'est en mode miroir, donc voilà. Mais ça permet d'éventuellement, je sais pas, d'avoir un truc précis, d'avoir quelque chose d'assez précis au niveau de la morphologie, si au cas où vous avez du mal et que vous voulez faire du miroir. Voilà. Vous voyez, il se construit au fur et à mesure. Par exemple, ici, on peut faire comme ça, hop. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais dit. Hein. C'est un peu de la triche, mais c'est on s'en fout en fait. Pas grave. Disons que je me dis qu'il faut essayer de soi-même faire tout ça soi-même, quoi. Mais bon. Donc voilà, vous avez un magnifique petit personnage. Voilà quoi. Qui est habillé de manière bizarre, mais bon, ça on s'en fout. Et du coup, foup. Et du coup, à chaque fois, j'ai envie de faire là, mais non, c'est bon. Et du coup, aïe, oh, nique ta saucisse grillée. J'ai cogné contre un truc. Ah, ok, je sais contre quoi j'ai cogné. Et du coup, voilà. Et du coup, ça permet de faire des trucs sympas, de faire des effets de poils. Par exemple, vous pouvez faire du coup ça, voilà. Et vous savez que de l'autre côté, il va se faire. Donc, c'est pas un problème en soi. Et ça permet de taffer, en fait, sur un seul truc et aller plus loin que ce que vous n'aurez peut-être pas osé faire. Si au cas où, ben, il fallait tout faire soi-même, quoi. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça s'augmente, ça se modifie. Et du coup, voilà, c'est tout. Ça s'appelle foutre bordel pour rien. Donc ici, je vous dis à bientôt, bande de toutouf. Il est quand même assez joli, ce dessin. Je vais quand même le garder en souvenir, après tout, pourquoi pas. Hein. Donc ce que je fais, c'est que je fais une save. Nouvelle save, hop, je fais une photo du dessin. Je vais peut-être reculer un peu si je peux. Et voilà, c'est sauvegardé. Comme ça, vous êtes rassurés. Oups, je sais pas ce que j'ai fait. Et du coup, je vous dis à bientôt dans de tout truc. Portez-vous bien.